Un nouvel épisode sur la chaîne consacré au Let's Play de Elden Ring. On avait donc fait la majorité des quêtes qu'il y avait à faire dans le jeu. J'ai pas fait non plus tout le jeu à 100%. C'est pas un guide, c'est un Let's Play, je le rappelle. Et du coup, je suis retourné ici donc à la Forge des Géants. Alors ici, quand je me repose donc à la grâce qui est ici. Normalement, en bas, vous allez pouvoir donc discuter avec Mélina, si elle est toujours là. Donc, alors, quand vous allez arriver ici, vous allez donc discuter avec Mélina. En gros, elle va vous expliquer que pour pouvoir enflammer l'arbre, il faut que vous récupériez, entre guillemets, donc le feu qui gît donc à l'intérieur de la forge des géants, mais que pour pouvoir allumer ce feu, il faut que vous serviez d'un combustible. Le combustible, en réalité, c'est Mélina elle-même, à savoir que, en gros, il faut que vous acceptiez de la sacrifier pour que vous puissiez récupérer donc le feu permettant d'embraser l'arbre monde. L'arbre sacré là, le truc de ronce là qui empêche de rentrer. Du coup, ça en réalité, donc du coup, vous sacrifiez Mélina et vous ne pourrez plus du coup la sauver. L'autre solution qui reste pour éviter cela, c'est notamment de se diriger ce qu'on appelle vers la fin de la flamme exaltée, à savoir donc descendre tout en bas de la partie relative à la prison, donc sous la capitale, et d'aller affronter donc Mog. Le boss qu'on a éliminé dans la zone précédente, mais en version encore plus simple que dans la vidéo précédente. Et ensuite, donc vous allez continuer à descendre, descendre, à descendre, dans la partie un peu casse-cou, là, où il faut que vous tombiez bien sur les poutres, sur les rebords, là, pour descendre jusqu'en bas d'une chute mortelle si vous vous ratez. Et arriver tout en bas, c'est là où on fait la rencontre notamment des trois doigts, la divinité là des trois doigts, qui va donc nous donner ce qu'on appelle la flamme exaltée. Et cette flamme exaltée, c'est notamment la flamme qu'on a à l'intérieur de nos yeux, qui fait que quand on ressort de là, on a les yeux qui sont jaunes. Du coup, Mélina, pas contente de ce qu'on a fait, en gros nous explique que, comme elle est une servante des deux doigts, le fait d'avoir accepté donc la flamme des trois doigts, en gros, genre elle va vous considérer, Mélina va vous considérer comme son ennemi. Donc du coup, si vous continuez donc à aller donc vers la fin de ce qu'on appelle la flamme exaltée, c'est-à-dire que vous ne faites que cette fin-là, en gros, Mélina va vous considérer comme son ennemi et va vous traquer jusqu'à ce qu'entre guillemets, sa mission sera de vous éliminer. Parce que vous aurez choisi pour elle une fin de merde qui, entre guillemets, genre, condamnera tout le monde à un monde en prise en pro flamme et compagnie, tout ça. Du coup, ici, donc là, elle a disparu. Du coup, l'avantage et l'inconvénient, c'est que l'inconvénient, c'est que pour l'instant, on semble se diriger donc vers cette fin-là. Mais vous verrez qu'en réalité, non, parce qu'ensuite, on va pouvoir donc dévier de cette fin pour tomber sur la meilleure fin possible. Et en même temps, donc l'avantage, c'est que du coup, on va pouvoir sauver Mélina. Alors pour ça, on va quand même donc écouter le crépitement des flammes qui nous rapproche donc la fin de la flamme exaltée. Voilà la raison pourquoi on a fait donc toutes les quêtes précédentes. Une pour les faire et deux pour voilà pour en arriver donc jusque là et par la suite encore.
Donc là, dans l'idée, c'est qu'à la place du coup de sacrifier Mélina, on se sacrifie entre guillemets nous-mêmes. Donc là, on arrive dans une nouvelle zone qu'on avait déjà donc rencontrée par le passé, via le téléporteur notamment des 4 beffrois. Et on arrive du coup donc à Farum Azula. Donc la dernière zone du jeu. Voilà, la dernière grosse zone du jeu, si je peux dire ça. Alors, on est où par rapport sur la carte? Ah voilà, ben sur la carte, vous voyez, donc on est arrivé directement ici là. Voilà, à Farum Azula, au niveau des ruines de Farum Azula, et nous, le but du jeu, ça va être d'arriver donc jusqu'au centre de la zone pour aller affronter notamment le dragon Placidusax. Et c'est lui qui, une fois vaincu, va nous permettre de nous empêcher, on va dire, de réaliser la fin de la flamme exaltée. Alors, parfait. Alors, on va voir si, compte tenu de mon niveau, si je vais galérer ou pas quand même face aux ennemis. Alors là, nous sommes au niveau des ruines. Parfait. Est-ce qu'il y a un endroit où il faut que je saute? Non. Par ici, par là. Enfin, je me rappelle plus trop de la zone. Je dois vraiment la redécouvrir. D'accord. Donc là, ces ennemis-là. Oh, les ennemis, je fais plus chaud, mec. Ok, donc pour l'instant, ça va. Pas trop de difficultés. Bon, ça va, hein, si ça se passe comme ça tout le long du jeu, j'accepte. Hein. Ici, rien d'extraordinaire. Ah, cool. Bon, franchement, j'ai même pas besoin de me soigner, quoi. J'ai même pas besoin de me reposer, quoi. Alors, ici, donc là, on va affronter un dragon. Alors, on les voit voler là-bas au fond, et normalement, je crois qu'on va se faire assaillir par un des dragons. Alors, attention quand même à ce combat, parce que lui, par contre, c'est pas les ennemis qu'on vient de rencontrer. Ah, on va quand même, au cas où, essayer de la jouer un peu safe, quand même. Ah, vous voyez, deux attaques bien placées et ça peut très très vite se passer, quoi. Oula, je vais mourir. Comme quoi, hein?
envie de crever, hein. Comme quoi, ça va très vite de mourir. Allez, voilà, on récupère donc une nouvelle pierre de forge des dragons anciens. Encore une. Je vous ai dit, ils distribuent comme des petits pains, ils distribuent. Ah, tu arrivais à l'époque, genre tu trouvais des rochers de sang dans Bloodborne, tu étais en galère. Tu en trouvais un ou deux dans tout le jeu, tu étais content, tu t'es dit, je suis quand même arrivé jusque-là, tu as l'impression d'avoir accompli un exploit pour y arriver. Alors que là, franchement, je sais pas trop quel exploit j'ai réalisé. Hein. Alors, éliminer un dragon, là. Je sais même pas de quoi monter un niveau. Et ça se donne une pierre de dragon. Alors. Allez, dégage. Oh, tu m'as mordu. Bon, c'est bon. Ah, merci. Non, mais t'énerve pas quand même, hein. T'inquiète pas, ça va bien se passer, hein. Donc là, on peut passer par ici. Il repassera par là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oula, je vais tomber. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, granit de granita. Parfait. Eh, dégage. Eh ben, il y a un objet brillant là. Les objets brillants, moi comme ça m'intéresse. 1, 2 et 3. Alors ouais. Ah voilà. Et... Parfait. Voilà, on a les loups là qui envoient la magie de la foudre. Allez, dégage. Grand muguet mortifère. Pas mal. Allez, comme d'hab. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Calme-toi, garçon. Arrête de gueuler. Ça sert à rien de gueuler comme ça. Ok. Ici, donc, on revient là où on était. Parfait. Là. C'est bon. On va prendre le temps, on va bien regarder un peu tranquillement. J'ai pas trop l'impression de galérer dans la zone pour l'instant. Donc je peux y aller plus ou moins sereinement. Après, je dis pas que je vais pas me faire défoncer à un moment donné, mais pour l'instant, j'ai l'impression d'avancer ici comme dans une sinécure. Alors, ok. Bon, je vais passer derrière. Ah, c'est lui là, qui m'emmerde avec sa foudre à la noix là. Va mourir toi avec ta foudre pourrie là. Dégage. Alors, brévière, parfait. Il est où lui avec sa foudre là? Con, ah, il est là-haut là. Putain, il m'emmerde avec son truc là. Alors normalement je crois qu'il faut aller par là-bas, mais nous c'est pas ce qu'on va faire. Ah, parce que nous on est des foufous, nous, pour ça nous on va passer par ailleurs, nous on va visiter la zone. Alors, par là-bas, on a vu qu'il y avait une sorte d'ascenseur.
C'est normal que j'entende des bruits, mais je vois personne. Non, peut-être moi, mais là j'entendais des bruits. Alors là, on a des émules un peu comme ça, là, qui crachent généralement de la malédiction. On les avait déjà rencontrés là par le passé, ces types d'ennemis là, notamment dans la zone de la forêt, mais je sais plus laquelle là. Ah d'accord, ok. Merde! Oh. Ah. Et ouais, c'est la malmort. Ouais, prends ton temps, vas-y. Là-bas, elle arrive, là. Et une mort à la noix. Alors là-bas, juste par curiosité, est-ce qu'il y avait un truc ou pas? Alors là, je crois, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on va affronter un nouveau dragon. Ouf. Le moment où je vais pas y arriver. Allez, nouveau dragon affronté. Surtout fais attention de ne pas tomber en bas, c'est surtout tout ce que je te demande. Et voilà. Donc là, pareil. Donc nouveau dragon éliminé. En soi, rien d'extraordinaire. Le seul petit défaut, c'est la taille de la zone qui est quand même assez restreinte. Donc un petit coup mal placé du dragon, un peu près de la bordure à tout moment, vous pouvez passer donc de vie à trépas, hein, sans crier garde, sans crier gare. Ah purge, ah putain, et ça là, je déteste ces trucs comme ça là. Allez, nickel. Parfait. Là, du coup, on peut visiter donc notre petite zone dans laquelle on est mort. Non, mais c'est une blague. Non, là, franchement, c'est une blague. Bon, le mec, il t'a pris toute la malemort dans la tronche. Bon, le mec, il était là, c'est comme si tu l'avais regardé, le mec, t'es guiché dessus. Et tu as dit, ah bon?
Tu es là, toi? Oh, mauvais. Oh. Non, mais je pense qu'on va y aller en courant, quoi. C'est pas que j'y arriverai pas, mais c'est juste que ça me gonfle, quoi, de devoir éliminer des ennemis à la noix, là. Tu vois, genre, tu prends, tu es là, tu tournes autour comme un abruti, là. C'est inintéressant, quoi, comme combat. Ouais, genre d'ennemis comme ça, genre où il faut juste que tu tournes autour, parce que tu as ta jauge qui augmente et tout, et que si à tout moment, genre, elle augmente trop, tu meurs. Tu vois, voilà quoi. Je veux bien mourir, hein, y a pas de souci. Hein. Mais après, bon, c'est juste pour mourir pour une question de jauge, je trouve ça un peu nul quoi. Alors, toujours en bas, là, et passer à côté, même pas il m'a calculé. Ok, parfait. Nickel, on pouvait soit passer par là, soit par là-haut. Par là. Puis après par ici. C'est mieux que je puisse pas étudier le cheval, c'est con. Ça irait bien plus vite avec le cheval. Là pareil, un anneau là qui est quand même assez grand. Juste là, un genre de forme immense. Version 2.0 de toutes celles qu'on a déjà affrontées par le passé. Après, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire tous les combats non plus, quoi. Faites ce dont vous vous sentez et basta, quoi. Ah, moi, je fais le jeu comme je le sens, quoi. Voilà, je sais qu'il y a des ennemis, j'apprécie pas des masses. Je sais qu'il y a des ennemis sur lesquels je me sens plus à l'aise. Voilà, au bout d'un moment, à force, je connais mes forces, je connais mes faiblesses et j'affronte les ennemis pour lesquels je me sens à l'aise dessus, quoi. Je vais pas aller me casser les dents sur des ennemis que j'y arrive pas, que je sais que je vais me faire défoncer. Tout ça juste pour le plaisir de me faire de pour essayer les faire 10 fois, quoi. Si au bout d'un moment j'y arrive pas, quoi. Donc là, du coup, je crois qu'on avait plus ou moins tout récupéré, avec une question d'une perle à récupérer. Je crois que c'était plus ou moins tout ce qu'il y avait à prendre. Rien d'extraordinaire. Ici, donc, on arrive donc dans la zone au niveau de la tempête. Alors là, il faut passer. Alors, je regarde juste à combien je suis. 24, ça va. Là, il faut passer par ici. Là, il faut aller par là, comme ça. Alors, on va essayer de visiter le maximum de trucs qu'on peut faire. Est-ce que si je rentre là-dedans, non, ça ne marche pas. Ok, là pareil. Allez, là c'est que des squelettes. Donc on va les éliminer. Allez. On va les éliminer, ils font mal un peu. Chacal. Oh les gars! Ah mais d'accord, ok. Bah, c'est ce que je déteste.
plus que je déteste. Quand tu arrives au coin et tout, tu es là en train d'attaquer, genre les mecs ils arrivent, ils mettent 2 heures. Et en plus ils te lèvent les pieds. Alors ça, c'est un concept que j'ai jamais vu ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Manco. Allez, dégage. On est un peu galéré quand même, hein. Dis ça un peu quand même, hein. Allez, parfait. Nickel. Alors, par là, il n'y avait rien d'extraordinaire. Par là, il y a un petit objet récupéré. Parfait. Là, par ici. Par là, calme-toi. Par ici. Par là. Alors, soit on peut passer directement par là. On va juste aller voir par là ce qu'il y a. Alors là, là où il y a l'autre qui est en train de nous canarder là, on s'en est cassé les bonbons. Donc là-bas, on a vu qu'il y avait une petite grasse là. Allez, parfait, c'est juste pour la forme. Clac clac, on esquive. Un, deux, oula, oula. Ah ouais, je pensais pas non plus me faire défoncer de la façon. Oh, lui commence à me gonfler. Je vous dis tout de suite. Bon, il va l'ancienne, hein. Pas besoin non plus. On y va à la façon qui marche le mieux, hein. Ah, pas non plus, hein. Alors, par ici. Elle est chiante un peu cette zone, hein. Alors, une rune dorée 12, ça c'est pas mal. Là-haut, là, qu'est-ce qu'on a? Je peux pas aller voir. On a également donc d'autres ennemis là, juste là. Parfait. Bon, là-haut, je pense qu'on va aller tuer notre collègue qui n'arrêtait pas de nous tirer dessus. Bon, j'en suis plus ou moins certain, non, en passant par là. On a notre archer, là. Ouais, voilà, il est là. 1, 2, parfait, bah, du coup il est même tombé en bas. Allez, grand muguet mortifère, pas mal. Là on peut passer par ici. Oula! Qu'est-ce que c'était? Je les avais pas vus, ces gags-là. Moi, je me promenais à l'aise, tranquille. Allez, 1 et 2. Bon, pour l'instant, ça va, hein. On galère pas non plus des masses. Alors, combien de temps? 30. Il reste 30. Alors, rien d'extraordinaire. C'est vrai qu'à pied, c'est chiant, hein, quand tu as l'habitude de tout faire à cheval.
C'est vrai, quand d'un coup on t'oblige à passer les zones à pied, tu dis oh, pff, pour de rire. Alors, là-bas, je peux aller voir. Une rune de 11, parfait. Ici, il n'y a rien à récupérer. Monteur au-devant. Il n'y a pas de message, donc quelque part, je vois pas trop ce qui manque. Oula, je t'ai pas vu toi, qu'est-ce que j'ai? Je viens. Du... On va se calmer, oui. Ah, il est malade. Ah, il s'est fou. Mais ça va, tranquille, la zone et tout. Ça a l'air sympa, ça a l'air bien. Écoute, tu fais défoncer, con. Au fur et à mesure que tu descends, tu tombes sur des ennemis de plus en plus costauds, c'est quoi cet endroit? On va passer par là. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on va essayer de passer partout, surtout. Bah, tu fais mal, toi, garçon. Ah merde! Il m'a repéré! Oh. Ah, il m'a repéré en cassant les trucs. Une fois que c'est pas moi à qui ça arrive, là on peut dire thank you Elden Ring. Tu vois, c'est des vidéos comme ça qu'il faut faire sur les thank you Elden Ring. Tu vois, pour une fois que c'est pas à moi que ça arrive de me faire défoncer la gueule, c'est toujours plaisir. Pas mourir comme un niaï en tombant dans un trou ou en chutant du précipice, dans le précipice, c'est plaisir quand ça passe. Oh là! J'ai oublié, il y a les deux affrontés là? Ah, c'est une blague, pas les deux. Non, ouais, mais pas les deux, mec, pas les deux. Ah, deux contre un, j'ai à l'ancienne, hein, je te le dis. Hein. Ok. Bon, allez où ton cousin? On s'ennuie un peu, hein? Allez, cadeau. Quoi? C'est pas fini? Ah, c'est blague. On est défoncé, le mec. Allez, parfait.
J'ai oublié qu'il était là, lui. Ouais, j'ai complètement zappé. C'est qu'il m'avait pas marqué, je pense. Ah ouais, il avait pas dû me marquer parce que franchement, je me rappelle pas du tout qu'il était là. Alors, ça va les grâces, les gars, ou comment ça marche? On te dit, on sait jamais si non. Truc en plus, t'as à quoi ici, je comprends pas. Tu peux même pas avancer. C'est quoi l'intérêt? Ah, tu mets une grasse lune. Sais pas, on dirait qu'il y a un truc là, non? Tout d'abord, bonne chance. Je sais pas, on dirait qu'il. Bah, c'est moi qui les yeux fatigués ou donc par là c'est là où on était descendu ici on est allé ici on avait bombé le mec. Elle est où la sortie là? Je suis perdu un peu. Il y a quoi là? Mais elle est où la sortie? Peut-être par là, là non, je vais rater un truc, je pense. Bizarre d'avoir mis un truc s'il n'y a pas de sortie, non? Je sais pas, je suis pas. Ben non. Ok. Je pense on va regarder en haut, mais là-bas, qu'est-ce qu'on a? D'accord, ok. Non, un contre un, ça va. Deux contre un, pas la même d'un coup. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y avait là du coup? Qu'au bout d'un moment elle va partir avec des disques quand même. C'est qu'au bout d'un moment je vais te rattraper aussi. Oui. Tu peux toucher une fois, mais pas deux. Tu peux toucher deux fois, mais pas trois. Après tu peux toucher plusieurs fois, mais au bout d'un moment, ben il faut y passer aussi. Alors,
Un peu labyrinthe quand même, hein, cet endroit. On dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, quoi. Alors ça monte, ça descend, ça fait ci, ça fait là. Passe devant, derrière, 50 000 endroits quand même. Oh merde, à caguer. Ouf, m'a cagué. Attendez pas le voir là. Alors, combien de temps? 42. Ok. On est où là? Me rappelle de rien, mec. Oh, j'y vais en total impro dans ce niveau. Ah, merde! Alors, je sais même pas si c'est par là que je compte aller, mais on va vérifier. Alors, tac, tac, tac. Alors, rune du Seigneur, parfait. Ah d'accord, ok. Ouais. Mec, tu me 800, laisse tomber quoi. Aïe. Oula, oula, oula.
Ben, ça aurait été laborieux. Alors, nouveau dragon à éliminer. Ça fait beaucoup quand même que j'éclate de dragon un peu. Hein. Au bout de moment, c'est bon quoi les dragons. Un peu, je veux bien, mais que ça dans cette zone. Alors, 49. Alors, on va aller vérifier donc du coup par ici. Non mais là on va pas du tout, je compte à où je voudrais aller, je pense. Là, on va redescendre par là-bas. Et moi, ce que je veux faire,
C'est surtout redescendre, c'est pas aller par là. Ça, je pense que c'est la suite de. Ça, c'est pour aller vers la fin de la zone, à l'affronter Malikens et tout ça là. Et moi, ce que je veux, c'est aller affronter Placidusax, qui est vers là-bas là. Donc, et pour le vaincre, normalement, il faut que je descende dès que j'arrive par là-bas, là. Comment on fait déjà pour aller là? Je me rappelle plus. C'est pas par là, là? C'est pas une truc par là, là? Un truc dans ces zones-là, comme ça? Allez, calme-le. Ok, pierre de forge encore. J'ai dit, ils offrent comme des petits pains, les mecs. Les pierres de forge. Ah, c'est des petits pains. Là, on va passer par là. Là, on va passer par là. Et, allez, dégage. Toi aussi, on gonfler. Par ici, j'ai qu'il y avait un ennemi là, juste là. Bon, j'ai eu ton nombre, garçon, quand même. Alors, purement, ce que je veux, c'est arriver là-bas, là, tu vois? C'est arriver là, là. Et la question que je me pose, c'est comment y arriver? Et à quoi là? Par là? Ouais. Bon ben voilà 55. Bon, du coup, je vais arrêter là cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on continuera donc l'aventure donc au sein de Farum Azula pour essayer de découvrir donc les différents boss de la zone. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!